au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon âme est en deuil aujourd'hui, en pensant à tous les vétérans des Premières Nations, Métis et Inuit, qui ont servi fièrement le Canada, alors que même que notre État-nation ne leur reconnaissait pas les mêmes droits qu'aux citoyens allochtones. Je pense aux combattants et aux combattantes autochtones qui servent aujourd'hui le Canada et je leur souhaite de pouvoir vivre fièrement leurs identités culturelles. Merci de faire rayonner la dignité, la justice, le respect et la paix dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut! Salut! Ah! Allô! Mon nom est Maxime, je suis étudiante à Telfer, l'école de gestion de l'Université d'Ottawa. Et je suis ici pour vous présenter un événement qu'on amène à vous, à Sam, juste pour vous. Donc, je fais partie de le groupe de TCCT, qui est le Telfer Competitions Committee. Et je suis co-coordonnatrice des Jeux du commerce. Donc, les Jeux du commerce, ce sont une compétition de cas contre d'autres universités. Donc, dans le fond, on compétitionne contre des universités de HEC à l'Université de Moncton. Pour les Jeux du commerce, on organise un événement en support de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Donc, c'est quoi notre événement? L'événement, ça va être les coups créatifs. Cet événement-là va être le 9 novembre, de 10h à 16h. Et ça va être où? Ça va être à Samuel Genet. Donc, pour notre événement, on va avoir un tournoi de soccer, des activités d'art comme la peinture, du Zumba et plus, et plusieurs activités et jeux à faire avec vos amis. En plus de toutes ces activités-là, on va avoir de la pizza gratuite pour tous ceux qui participent, des collations, des breuvages et des prix à tirer. On espère que vous allez venir à notre événement le 9 novembre de 10h à 16h. On a super hâte de vous voir! Thank you.